Et yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est le Vajou 80. Donc aujourd'hui nous allons parler, j'ai mis tous mes canards au vermifuge, voilà. Donc ceux-là, ceux-là et ceux qui sont là-haut, voilà. Donc le vermifuge, ça se présente sous des granulés comme ça, voilà. Des petits granulés. On leur met pendant une semaine, voilà. Pendant une semaine, on leur donne que des granulés sans blé, voilà. Que ça, voilà. Ils mangent que ça, ça les purge. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup d'excréments, voilà. Ils font beaucoup d'excréments pendant cette semaine, voilà. Et on leur donne que ça, voilà. La bonne nourriture. Ça sent très bon en plus, voilà. On achète ça en sac de 25 kilos en jardinerie, animalerie, voilà. Souvent c'est marqué entretien VF, voilà. Après on peut aussi trouver sous le nom de Vermistop, voilà. Sous le nom de Vermistop. Après il y a plein de trucs comme ça. Si vous voulez pas prendre n'importe quoi, vous demandez à quelqu'un dans un magasin, voilà, il va vous dire. Voilà, donc c'est des petits granulés, moi je leur donne pendant une semaine. Après je leur redonne à manger avec du blé, voilà. Avec du blé. Je le fais deux fois par an, voilà, à peu près. Des fois ça dépend. Des fois je le fais trois fois. Voilà. Ouais, des fois je le fais trois fois. Je le fais souvent une fois avant la chasse. Avant le début de la chasse, ça veut dire début septembre, voilà. Début septembre, je le fais. Après, je le refais une fois fin février. Voilà. Cette année, je ne l'avais pas fait fin février, voilà. Donc je le fais maintenant, voilà, c'est pas trop grave, voilà. Ils sont pas morts, donc je le fais maintenant. À la prochaine fois que je vais le refaire, ça va être, du coup, ça va pas être au mois d'août. Ça va être au mois de septembre, un truc comme ça, voilà. Vous le faites à peu près tous les 6 mois, voilà, c'est ce que je fais moi. Voilà, là, ça ressemble à ça. C'est en fait c'est du médicament, voilà. Il y a du médicament qui les fait beaucoup, qui font beaucoup d'excréments du coup. Donc après vous changez bien l'eau. Si vous avez des dalles en béton comme moi là, vous les nettoyez bien, voilà. Pareil chez les sarcelles, on nettoie les tuiles qu'il y a là-bas. Là on voit les tuiles, on les nettoie, voilà. On nettoie tout. Tout propre, voilà. C'est tout. Voilà, c'était juste pour vous dire une petite nouvelle. Une petite info, on pourrait appeler ça, voilà. Donc, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez kiffé la vidéo, pensez à liker, commenter, partager. Bah allez, ciao les gens.